Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne d'Afrique Pharmacopée. La recette d'aujourd'hui vous permet de transformer vos produits de beauté ou de make-up en un véritable produit de faveur, de chance et d'attirance. Ces produits peuvent être le fond de teint, votre tube de mascara, votre fard à paupières ou tout simplement la poudre talc comme ceci. La poudre talc pour bébé ou pour adulte. Si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos vidéos et que vous aimez bien ce genre de recettes, je vous invite à vous abonner et surtout activer la cloche de notification. Choisissez toutes les notifications. Alors pourquoi il faut activer toutes les notifications? S'abonner sans activer la cloche de notification, c'est un peu comme avoir son téléphone sans un forfait mobile. Sans smartphone, bien sûr, vous ne recevez pratiquement pas de notifications. C'est encore pire, je dirais, c'est comme avoir le téléphone sans SIM et sans forfait internet. Vous n'avez aucune notification. Donc voilà, c'est très important d'activer toutes les notifications. Dès que nous mettons en ligne une vidéo, vous allez rapidement recevoir une notification sur votre téléphone ou par email. Ainsi, vous n'allez pas louper les offres spéciales et quelques cadeaux que nous offrons aux personnes qui regardent les vidéos, aux personnes qui achètent des produits exclusifs ou encore vous pourriez profiter de quelques promos ou bons de réduction. Aujourd'hui encore, je vais faire des cadeaux, donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir de quoi il s'agit. La recette d'aujourd'hui sera faite avec deux ingrédients, juste deux ingrédients et ces deux feuilles. Vous avez ici la feuille de faveur. Je mettrai le nom scientifique dans la vidéo. On appelle ça la feuille de faveur. Elle intervient énormément dans les recettes où vous devriez avoir beaucoup de faveur. Ici, vous avez la plante de la résurrection. Son nom scientifique existe également. Pourquoi plante de résurrection? C'est parce que c'est une plante qui meurt difficilement. Lorsque vous enlevez ça, lorsque vous coupez ça, que vous déposez ça sur une table comme ça ou même dans un plat comme ceci, cette plante peut encore rester vivante pendant plusieurs semaines. Cette plante est dans ce bol depuis 3 semaines, mais vous allez remarquer que cela continue toujours de pousser de nouvelles feuilles sans même qu'on lui apporte de l'eau ou des nutriments. Cette plante ne puise pas des ressources depuis la terre et pourtant ça continue de pousser de nouvelles feuilles. Difficilement ça meurt. Donc lorsque vous cherchez cette plante, lorsque vous voulez les plantes séchées de cette plante, il va falloir être patient. Ici c'est dans ce bol depuis 3 semaines et pourtant c'est pas encore entièrement mort. Donc voilà la force, la puissance de cette feuille qui porte bien son nom, la plante de la résurrection. J'ai déjà proposé un parfum de chance, de faveur et d'ouverture avec cette plante. Si vous cherchez ce parfum, si vous voulez voir la recette avec ce parfum, vous pouvez me poser la question en commentaire et je vous envoie le lien de la vidéo. Donc voilà les deux ingrédients qu'il faut pour faire cette vidéo. Ce que je vais faire maintenant, c'est d'aller l'écraser en poudre. Une fois que j'écrase ça en poudre, je vais vous donner le mode d'emploi et aussi je crois que c'est juste le mode d'emploi. Ici vous avez des pommades. J'ai déjà partagé sur cette chaîne une recette de pommade de chance à faire avec quelques ingrédients de cuisine. Si cela vous intéresse,
Venez en commentaire et posez-moi la question de manière claire et simple. Je vous donnerai le lien. Donc voilà ce que vous pouvez maintenant, c'est d'écraser en poudre très bien fine de la plante de la résurrection. Ceci, je vais laisser ça sur la table encore quelques jours. Voilà la plante de la résurrection qui n'a même pas besoin d'eau, de terre pour continuer à pousser. C'est une plante très puissante. Voici le résultat après avoir écrasé la feuille de la faveur et la feuille de la résurrection. Comment il faut s'en servir? Vous allez prendre par exemple les poudres talc. Voici une poudre talc. Vous pouvez aussi prendre les fonds de teint, les tubes mascara ou encore les fards à paupières. Voilà les types de produits de maquillage que vous pouvez utiliser pour préparer un produit magique pour les faveurs, l'attirance et aussi la chance. Donc vous mélangez ça à ces produits et vous vous maquillez avec. Le but, c'est de vous permettre d'avoir des faveurs, de l'attirance, des faveurs surtout partout où vous allez. Vous devez acheter de nouveaux produits pour faire le mélange. Donc ces produits seront utilisés de manière occasionnelle ou à certaines occasions spéciales. Vous n'êtes pas obligé de mettre ça tous les jours pour des petites occasions, pour aller au boulot, pour aller à l'église, pour aller faire des achats au supermarché par exemple. C'est pas nécessaire. Il faut des occasions spéciales pour utiliser ces produits spéciaux. Donc voilà ce que je tenais à dire. Ici j'ai 4 boîtes. Les anciens clients qui ont déjà l'habitude d'acheter des produits chez moi, je vais leur offrir. Là je n'ai que 4 boîtes, hein. Ça ne peut pas suffire tout le monde. Donc voilà les 4, c'est pas à vendre, c'est à offrir. Quand je dis c'est à offrir, c'est que vous achetez un produit, n'importe quel produit chez moi, et je vous offre ceci. Je vous ajoute ça dans votre colis pour être utilisé. Si je dois vous l'envoyer seul, ça me revient encore plus cher, ça me coûte de l'argent. Imaginez, je dois prendre ceci, je dois le mettre dans une enveloppe et l'envoyer, aller à la poste et l'envoyer. Cela me coûte trop d'argent. Ça coûte même plus cher, les frais coûtent plus cher que le prix du produit. Donc achetez d'autres produits et réclamez ceci en bonus. Comme vous l'avez bien remarqué, nous n'avons que 4 exemplaires. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez surtout pas de vous abonner si vous êtes nouveau. N'oubliez aussi pas de partager la vidéo avec vos amis, vos proches, qui pourront saisir cette opportunité pour découvrir d'autres produits de la chaîne, d'autres produits ou d'autres recettes de la chaîne. Donc voilà, merci et à la prochaine.